Et salut à tous et à toutes, c'est Toussou d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. 9 mois, je crois que ça fait 8 ou 9 mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc comme j'ai dit, bah après je suis très 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 présent sur Vought, hein, donc si vous voulez me voir, venez sur Vought, les liens seront dans la description. Comme j'ai dit, maintenant je ferai une, deux vidéos par mois, mais ce sera toujours des vidéos un petit peu sympas. Ce sera pas des vidéos de voiture simple. Là par exemple aujourd'hui, on va s'ouvrir. Bon, c'est un peu gros. On va s'offrir le luxe de s'ouvrir, pardon, le collection ultra premium, donc l'UPC Mew. Donc je suis avec Caïs, hein, toujours. J'ai oublié de dire que t'étais là. Donc on va s'ouvrir ça tranquillement. C'est le tout premier que j'ouvre. Donc j'en ai ouvert juste pour vendre les promos sur Vought, tous les boosters et tout. Mais c'est le tout premier que j'ouvre pour moi, pour ma collection. Donc ça va être mes premières promos pour moi. Bah oui, j'en ai pas pour moi encore. Donc, le coffret il est énorme. Je vous ouvre ça. Bon, vous avez déjà vu sur YouTube, je pense. Tous un peu. Mais bon, sort du Covid. Donc voilà, ça vous fait plaisir de. Je sais même plus comment on fait des vidéos. Franchement, ça fait trop longtemps. Donc voilà, il est magnifique. Elle est cool, mais elle est moins bien que Donc la ça s'ouvre précédente. comme ça. Ouais, vous n'allez pas voir. Je vais vous montrer comme ça. Ça s'ouvre comme ça. Voilà. Hop, je repose ça. Et petite carte, c'est plutôt pas mal. Ils ont mis ça dans un espèce de truc. Voilà, donc on va les sortir. Alors je sais pas comment je les avais récupérés l'autre fois. Par-dessus. Elle n'est pas en pochette celle-là. Non, la métal, elle n'est pas en pochette. C'est un peu abusé. Bah, tu sais quoi, je vais casser sur le côté. Parce que de toute façon, moi, ça, je vais jeter. Ah Hop, ouais, on va elle est toutes même les pas pour sortir toucher. comme ça. En cassant le truc, je suis sûr de pas abîmer. Ouais, bah la métal. Elle est pas du tout. D'ailleurs, c'est la seule qui est tout le temps abîmée hein, dans les trois. Donc, bah, on sait pourquoi. Hein. Bah ouais. On sait pourquoi. Et à la troisième. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me rejoindre sur Vought. Le lien, si vous n'êtes pas encore sur Vought, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Alors, on a la petite Mew. Alors, moi, je vais les ouvrir. Hein. Je vais les sortir des sachets. Mais je le ferai hors vidéo. Voilà, je vous montre juste. Voilà, vous connaissez, je pense. La petite Mewtwo. Magnifique, hein, qui ressemble beaucoup à celle de Pogo, mais en plus jolie. Je vous la montrerai à la fin. La Mew, c'est exactement la même que dans la série, sauf que elle est en métal. Donc est-ce qu'elle a un problème, celle-là? Je sais pas. Elle a pas l'air de problème. Bon, de toute façon, ça, moi, j'en vois pas à grader. Hein. C'est une carte que je vais pas garder. La petite Mew métal. Voilà, sympa. Et la Mew alternative avec le code, ils ont mis le code derrière, c'est mongol. C'est dommage. Le code, ils auraient dû mettre à part parce que ça peut abîmer la carte. Ils s'en fichent un peu du français, j'ai l'impression. Voilà, petite Mew alternative qui est pas mal avec le petit coucher de soleil là. Magnifique, très belle Le carte. crépuscule. J'ai retenu le mot. Tac, après, qu'est-ce qu'on a dedans? On a évidemment les boosters. Donc, bah, 8 chacun. Donc, on va mettre ça de chaque côté. Et on a tout un tas de trucs que je verrai de mon côté, ce que j'en fais. Donc ça, j'en ai marre qui mettent ça, qui les jettent, franchement, tout le monde en a. Par contre, les dés, c'est sympa. Une petite dé rose comme ça, on n'en avait pas. Et le jeton, il est magnifique. C'est rare que j'aime les jetons, mais celui-là est vraiment très beau. Il est grand en plus comme d'hab. Ouais, il est C'est super beau. chiant. Par contre, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est chiant. Et la deck box, ça, on n'avait pas dans le coffret Dracaufeu. Bon, elle est pas folle, mais bon. Mais le plaisir, il est où? Voilà. Et le tapis, qui est juste là. Alors, je vais pas le descotcher, parce que moi, clairement, les tapis comme ça, j'en garde un. J'en ai déjà un que j'avais bah, dans les coffrets que j'avais ouvert pour Vought. Et bah, ceux-là, je vais les vendre, hein, tout simplement. Donc je les laisse comme ça, mais ils sont pas très beaux. Voilà. Juste le Mew dessus, mais ils sont pas très très beaux. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, bah je te montrerai, j'en ai. Hein. J'en ai un ouvert pour les vidéos. Donc 16 boosters. On va compter qu'il y a bien 16 boosters. Ouais, il y en a bien 8. Ça sera ceux de Caïs et les miens. On en a bien 8. Alors moi j'ai vu quelques ouvertures, c'est tout ou rien. Soit ils sont hyper remplis, c'est-à-dire plusieurs alt et tout. Soit c'est vraiment nul et il n'y a rien. Donc on va voir. Allez, c'est parti. Produit 151. La série est vraiment à la mode en ce moment. C'est vrai que c'est plaisant à ouvrir. Il y a vraiment des très très belles cartes. Donc en tout cas, j'espère que mon petit retour sur YouTube vous fait plaisir. Je sais qu'en vidéo Vought, enfin sur Vought, vous arrêtez pas de me dire c'est quand les vidéos YouTube, surtout les brocantes. Bah voilà, on reprend par ça. Une petite vidéo comme ça, tranquillement. On va dézoomer un petit peu. Ouais, il est pas mort. Ouais, non, on est toujours là. C'est juste que bah, Vought me prend beaucoup de temps. Et c'est quand même plus interactif que YouTube, mais j'ai pas envie d'abandonner YouTube quand même. Donc
Me revoilà pour une vidéo. Allez, on a Roucoule. Chrysacier. Le Chrysacier. Ponita. Titar. Noceralto. Les restes. Alors, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux un code pack. Voilà. Je vous le dis, je vous annonce, je veux un code pack. Allez, le Persian en reverse. Ramolos. Déjà, on n'aura pas de code pack. Je l'avais vu. Oh, la petite Golatarator. J'ai pas fait le suspense. Je peux plus. En plus, j'avais vu sur le côté. Mes amis, j'en peux plus. J'en peux plus de cette carte. Je n'en peux plus. Il y a encore un truc ou pas? Oui, je crois. Non. Ah non. Les gars, j'en peux plus. J'ai eu 12 gold en tout. Dans toutes mes ouvertures, j'ai eu 12 gold pour moi. J'ai 9 échanges. 2 énergies et 1 Mew. Bon, alors Mew, ça aurait été incroyable. Bon, ça fait quand même plaisir. La petite Pyroli. Ouais. Et la petite énergie en holo qui va avec le Pyroli. Donc pour ceux qui n'ont pas vu d'ouverture, hein, ça, on ne sait jamais, hein, y a peut-être des gens qui n'ont pas vu. Maintenant, dans les boosters, on peut avoir une holo énergie. C'est pas tout le temps, mais de temps en temps, on a ça. Bon, j'ai quand même une gold. Allez, on va la mettre là. On va voir ça. Qui de nous deux aura la meilleure ouverture. Déjà, c'est mieux qu'une ex. Oui, mais tu fais bien. Oui. Oui, c'est mieux qu'une ex. Mais franchement, c'est juste que cette gold, je ne peux plus l'avoir, quoi. Ouais, je sais. Autant l'énergie, bon, allez. Oui, l'énergie, ça va. Mais le échange, s'il vous plaît, quoi. Allez, Nosferapti, Poissirène. C'est vrai que Survogue, tu en ouvres vite. Là, bah là, c'est en vidéo. Donc, le but, c'est quand même de prendre son temps, de vous montrer un petit peu les artworks. Si vous ne connaissez pas, la Titerica. Magneton. Donc, on n'a pas les Pokéballs, hein, malheureusement, dans cette série. Pas les Pokéballs Master Ball, c'est dommage. C'était mieux en Jap. La petite Raichu, c'est une Holo Reverse. Derrière, oh, on a une AR. Attends, c'est quoi ça? 7 de nœud, je crois. Pas sûr. Si, sac de nœud, je crois. Ça ressemble à Roucoule, mais Roucoule, c'est pas dans sa série. C'est sac de nœud. Ouais, sac de nœud. Bien joué. Il est trop beau. Il est magnifique. En plus, je l'avais qu'une fois, celle-ci. C'est l'une des plus rares. Ah oui? Ouais, faudra que je compare avec celle que j'ai. Celle qui est en meilleur état. Je la garderai. Et du coup, vous avez vu, l'énergie là est normale. Bah écoute, Kate, pour l'instant, 2 boosters de 8. T'inquiète. Une AR, une gold. Il manquerait une petite alternative. En vrai, mon vrai objectif, parce que Godpack, bon, voilà quoi, ça va pas arriver souvent. Mon vrai objectif, ça serait de sortir le Dracaufeu Full Art, qui est une des deux seules cartes que j'ai jamais sorties. J'ai sorti toutes les cartes moi-même. Les deux seules que j'ai pas sorties, c'est le Dracaufeu Full Art et le Mew Full Art. Je les ai jamais sorties. Okay. Ça serait bien que je les sorte. Quoi? Je crois qu'il y a un autre truc. Hein. C'est vrai? Ouais. Mais dis pas, pas spoil. Allez, non, gros Tadmorph, Nina. Bah après, je t'ai dit, hein, les UPC, c'est tout rien. J'en ai vu avec 10 hits sur 16 boosters et j'en ai vu avec 0 hit, enfin 1 hit. Ou alors donc, c'est... 1 hit, c'est comme si c'était 0. Ouais, après, on peut vite se faire avoir, ouais. Hein, des fois, avec le... tout est holo dedans. Allez, Roucarnage, un peu comme une reverse. Là, on a rien, en tout cas. Une bah, c'est Roucoups. Et là... Et là, ça serait marrant qu'on ait Roucarnage X. Non, il n'y a pas, je crois. Il n'y a pas... Ah non, c'était dans la série d'avant, ouais. Roucarnage. Je sais plus. Et ah, le Tirachu. Tu vois, tu t'es fait avoir. Et est-ce qu'on a énergie? Non, pas d'énergie. Bon, allez, on continue. Ouais, mais de toute façon, faut pas se spoil, c'est pas drôle. Oui. Allez. Ah, dites-moi, les gars, pour mon retour, dites-moi dans les commentaires quelle est votre carte préférée de la série. Moi, c'est. Comment ça s'appelle? Erika Alternative. Elle est trop belle. Moi, c'est Lector Alternative. Sans parler des cotes. Hein. Ah, le Lector est magnifique. Le Lector est magnifique, mais la Erika, j'ai eu un coup de cœur dessus. Même si Dracaufeu, j'aime bien aussi. Allez, Melofey Reverse. Non, on a Melodelph Reverse. Et on a un Métamorph en holo qui est juste là. Ça aurait été marrant qu'il fasse le décollement de la carte comme dans Pogo. Oui. Qu'il fasse ça à chaque Métamorph, ça aurait été super marrant. Allez, bon. Il en reste combien pour moi? Il en reste 4. Je suis à la moitié, j'ai eu 2 hits. En vrai, c'est bien. Juste, j'ai eu la pierre gold. Et au niveau des AR, bon, de toute façon, il n'y a pas d'AR moche. Il y en a des mieux que d'autres, mais il n'y a pas vraiment d'AR moche. Parce que même le chenipan, il est beau en fait. Allez, Starry, Nidorina, Ratatak, Erika, l'Escarbrut Reverse, non, Machopper, et toujours rien ici, Amonistar, en holo. Ça aurait été chiant qu'ils mettent en alt Amonistar. Ouais, j'aurais bien aimé, j'aime bien Amonistar. En fait, ça dépend s'il serait beau ou pas. Je préfère Kabutops au niveau des fossiles. Ouais. Mais. Encore ouais, terrain. Ouais, je sais pas, j'aime beaucoup Capitoso. Chrysacier, Ponita, Titar, Pikachu, Sablero, Nidorino, Aquakwak, Colossinge en reverse. Là, on aura rien. On aura Tartar, qu'ils ont mis en peu commune. Et derrière, une holo.
Le Vénard, une des holos les plus rares avec Mewtwo, ceux qu'on a le moins sorti, et une petite holo énergie. Allez, il reste deux boosters, on avait commencé fort. Hein. Une gold, une AR, et là, ça s'est endormi. Un petit ex, un petit ouais. Dracofeu ex, ça serait pas mal. Oh, si j'ai la full art. Salamèche, Piafabek, Rhinocorne, Magikarp, Magneton, Nidoqueen, Ampiflore. Allez, Magikarp Reverse. Là, on n'a rien. On a Aspico. Et si on a une ex, c'est maintenant. Et non, c'est une holo. C'est du marron, c'est ma cogneur. Kabutops. On en parlait juste avant. Mm. Bon, bah, Kaïs, là. Là, tu peux gagner. Là, tu peux gagner. J'avais bien commencé. Et là, là ça va pas là. Allez, la petite Abra. Topiqueur. Soporifique. Bulbizarre. Tartar. Un roux carnage. Ammonita. On a la petite Draco Reverse. Derrière. Ah, je risquais Pikachu. Voltorb. Et oh, Draco petit Tex. C'est Dracofeu ou Fenard? Je crois que c'est Fenard. Ouais. Oh. J'ai reconnu le bas. J'aurais préféré Dracofeu, mais c'est Fenard. Avec une petite énergie. Ça serait des hits, on serait riche, je crois. Bon, j'ai eu ma ex. Mais c'est pas le Fenard que je voulais. Je déteste cette carte. Je la trouve vraiment laide. Ouais. Comment réussir à. à mettre un Fenard moche. Alors, voici mes petits hits, on va les laisser là. Et Kaïs va prendre la place. Vous savez quoi, on fait ça en direct, même pas de coupure. Okay. Allez, let's go. Carrément. Allez, à l'ancienne. Allez, c'est parti, on va voir si t'arrives à battre ça. Franchement, c'est dur à battre, mais c'est battable. Ah bon? C'est battable, il y a 3 hits. 3 hits, sachant qu'il n'y a pas de master hit. Quoi. Je vais les mettre là parce que moi je vous parle là. Il n'y a pas de. J'ai pas sorti de Dracofeu, pas de Zalt. La gold elle est nulle. Allez, montre-leur qui montait fort. Je suis trop fort, désolé, mais. Hein, voilà. Rondoudou, Starry, Salamèche, Piafabek, Aéromite, Galopa, Nidorina, Mélofée, non, Krabi et Staros. Et rien. Et pas d'énergie. Du coup, je fais comme ça. Non, là, laisse pas les cartes dans le fond, Kaïs. Ouais. C'est moche. Faudrait que la pile soit là, parce que je vais faire là. Allez, deuxième booster. Allez, essaie d'accélérer un petit peu. Ouais. Otaria, Dodio, Tentacool, Rattata, Hypocéan, Kabuto, Orchid, Papillusion, non, Reptincelle. Oh, Reptincelle. Oh, 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 dommage, c'est pas Dracofeu. On la voit pas souvent, celle-là. Non. On la voit pas souvent, la Elector. On la voit vraiment pas souvent. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je me rappelle même plus cette carte, en vrai. Non, non plus. Elle est très, très belle. Là, elle était plus belle, par contre. Allez, premier hit. Ça, c'est... C'est pas mal. Moi. C'est vrai que les full art dans 151, elles sont très dures à sortir. Et je dis pas ça parce qu'on en a sorti une, c'est vraiment les foulards, c'est. On a, dans tout ce qu'on a sorti ouvert, on n'a pas eu beaucoup de foulards. Ferro-singe, Ratatac, Erika, Magneton, Poissirène, non, Topiqueur et. Smogogo. Smogogo. Ça, on ne veut pas de Smogogo. C'est pas ce qu'on veut. Allez. Une foulard, tu fais 5 boosters. Ok. T'es bien. Ouais. La voilà. Foulard, pour moi, ça vaut la gold et la X. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc maintenant, une AR et c'est terminé. Une AR t'égalise. Sauf si t'as une AR starter, par exemple. Ouais. Ou Pikachu. Starter. Ouais. Meloudelf. Tentacruel. Parasect. Dardarnian et Kabutops. Et l'énergie. Tu vas perdre encore. Encore, bien sûr. Encore. Mais encore. Allez, t'es à la moitié. T'as fait la moitié du chemin. Alors, c'est pas une série qui drop de fou. Hein. C'est non. pas.
C'est rare que les mini-séries ne drop pas comme ça, mais c'est comme si c'était une série un peu classique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de display tout ça, donc pas de quota. Donc dans un item, bah, on peut avoir beaucoup de chance, comme peu de chance. Ouais. Poisson roi. Papillusion. Low class. Oh, une alternative de low class, ça serait sympa aussi. Ah ça. Ouais. Rafflesia. Tentacruel. Et... Non. Une magnifique aquali. Ouais, par contre, ça... Très, très bon. Énergie. Ça sent la fin pour toi. Il en reste 3. Tu peux le faire. Tu peux le faire, mais ça sent la fin quand même. Ouais. Dodio, Electek, Smogo, Sac de Nœud, Orchide, Melodelph, Trio Picker. Pas de pack. Pas d'air. Mimitos. Et Rafflesia. Ouh, pour toi, mon petit. En vrai, il m'en reste 2. Je crois que ton seul hit, c'est un Elector. Bah, en vrai, c'est pas pourri. C'est pas pourri. Mais c'est mon hit. Oui, je sais. Et heureusement, j'ai eu sac de nœud. Hippotrempe, Nidoran mal. Piste cyclable. Un sécateur, Reptincelle, Mystherbe, les. Non! Galopa et. Aïe 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 aïe. C'est la fin pour toi. C'est la fin pour j'ai toi, mon petit. Comme ça, maintenant ça ira plus vite. Sauf si j'ai un starter. Ah, il faut un truc là, il faut un truc maintenant. Oui. En soi, pour l'instant, l'UPC elle est pas folle. 4 hits en 16 boosters, ça fait 1 hit tous les 4 boosters. Ça va, ça va. C'est juste qu'il manque une alt. Sabelette. Il manque une alternative et on est bien. Otaria, Dodio, Tentacool, Spectrum, Kikli, Draco, c'est maintenant. Mr. Mime. Non ! Allez. Voltorb. Et c'est la défaite ! Mais non, mais comment je peux faire pour perdre. C'est une belle défaite, parce que t'as eu un beau lecteur. Mmh. Mais ça reste une belle défaite. Bon ouais, les amis, donc tu peux remontrer ce qu'on a eu dans l'UPC. Vous voyez, c'est pas très rentable. Hein. Heureusement, il y a les promos. Mmh. Heureusement, on a les promos, tu peux montrer un petit peu. Alors, de mon côté, on a eu beaucoup de hits. C'est-à-dire que le coffret, on va parler prix. Le coffret en prix magasin, en tout cas, si vous arrivez à le trouver, il coûte à peu près 150 euros. Et les promos se vendent à peu près 120-130 euros. Donc en vrai, ce coffret, il est ultra rentable. Mais il faut pouvoir le trouver. Mais après, la pioche, c'est du bonus, on va dire. Moi, j'ai eu beaucoup de hits. Hein. J'ai eu un Elector ex Full Arts. Allez, mais il est beau. Et c'est tout. Il est beau. En vrai, je préfère ta pioche que la mienne, en vrai. Mais... Ouais. Moi, non. Okay, papa, il a eu Fenard ex Sac de Nœud à Air. Ça a l'air incroyable. Elle est très belle. Avant, je l'aimais pas, mais maintenant, oui. Bon, échange. Hein. Échange, voilà. Quel échange pro... C'est ma dixième. Et les trois combos. Voilà, magnifique. C'est dommage que la métal est en anglaise. Ils n'ont pas fait la traduction sur cette carte-là. C'est... Je trouve ça dommage. Heureusement, les deux autres sont françaises. Ma préférée, c'est la Mewat. Entre les deux ? Ouais, entre les trois. Ouais, enfin, la métal, tout le monde s'en fout. Ouais. Mais entre les deux-là, entre Mew et Mewtwo... Ouais, je préfère quand même le Mew. Hein. Le Mew est vraiment... Il est trop mignon. Mais le Mewtwo est très beau. Oui. Voilà, en tout cas, j'espère que le retour sur YouTube vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. En description, vous avez mon Instagram. Voilà, je suis assez actif dessus maintenant. Enfin, assez actif. Je suis plus actif qu'avant. Et mon Voct. Voilà, je fais 1 à 2 lives par semaine. Si vous voulez venir discuter avec nous, c'est avec grand plaisir. Et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Et attends. Oui. Mettez des larves. Mettez des larves, ouais, ça, ils vont pas comprendre. Ça, c'est un délire sur Voct. Ouais. Allez, ciao.